Bonjour et bienvenue au Scorpion pour le tirage sentimental du mois de décembre 2020, dernier tirage de l'année. On va aborder donc les relations affectueuses, sentimentales, amoureuses, enfin c'est pareil, mais aussi les relations professionnelles, amicales, familiales. Ici, on va vraiment parler que de ça. Regardez ce qui résonne chez vous, les Scorpions. Dites-moi dans les commentaires hein, si tout ça, ça vous parle. On ira recouvrir avec l'améthyste Love et on terminera par l'oracle coup de cœur pour aller voir d'autres informations, savoir si on parle des relations des célibataires, des couples ou encore des triangulaires. Donc c'est parti, on y va pour vous. Les signes du scorpion, donc solaire, ascendant ou lunaire. Regardez si ce tirage ne répond pas à toutes vos questions. Allez voir dans les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Quelquefois, on a des informations plus précises. Parce que l'ascendant, après 40 ans, résonne plus, hein. Alors, on parle de la naissance ici. Les scorpions auraient bien des relations naissantes ici. Hein. Ouh, ben ici on parle de l'amour. On parle de trahison. On parle du temps et de l'évolution. Alors, il y aurait bien des relations naissantes là, chez les scorpions. Hein. Il y a de l'amour, il y a des nouvelles rencontres qui se font. Hein. Là, c'est clair. Alors, c'est teinté de trahison. On va essayer d'aller voir après ce que ça nous dit. On a le temps et de l'évolution. Donc, ça nous parle vraiment des relations là, des célibataires qui ont été longtemps seuls ici. On évolue. Ici, il y a de l'évolution et on termine par un verdict. Le dos de deck nous parle de la carte de la projection, le miroir de la projection. Ça, c'est clairement quelque chose que l'on ne veut pas voir. Là, il y a une situation qui vous cause de l'embarras. Et ici, les scorpions, j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir ce qui vous embête dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui revient en boucle chez vous, là. Et la carte de la projection nous dit que peut-être vous n'avez pas envie de voir ce qui se passe. En tout cas, vous allez le faire parce que derrière, on a la carte de la clairvoyance. Et ça se passe plutôt bien parce que derrière, on a la carte de l'examen. La carte du retour. Donc, on parle bien d'une situation qui tourne en boucle, hein, qui tourne en rond. Et c'est sur cette situation, on a de la clarté. Hein. Derrière, on a la carte de la réunion. Donc ici, il y a une réunion, il y a une table ronde là qui s'ouvre ici concernant des accusations par le biais d'une correspondance. Enfin bon, on va pas aller trop loin parce que je vous dis, ça s'épuise et après, ça, on est beaucoup moins sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Mais la carte de la clairvoyance nous dit qu'au mois de décembre, vous faites l'effort de bien vouloir voir ce qui ne vous convient pas chez vous, les scorpions. Et avec la carte de l'examen, ça nous dit que vous parvenez à résoudre une problématique. Et c'est une problématique qui dure depuis un bon moment. Alors, ici, on a la naissance, donc ça peut nous parler de la naissance d'un bébé. Bien sûr, il y a Jésus qui naît à Noël, mais il n'y a pas que lui. Donc, ici, on nous parle de la naissance aussi d'une relation. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, c'est possible. En tout cas, c'est un beau début, ça, qui s'annonce chez vous, les scorpions. Un excellent début, même, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a la carte de l'amour à côté. Donc là, il y a une relation sentimentale, amoureuse, qui voit le jour au mois de décembre chez vous, les scorpions. Elle vient suite à une trahison. Trahison, pardon. Alors,
C'est-à-dire que ici, c'est comme si cette relation venait guérir cette trahison. C'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que là, cette relation naissante arrive juste à temps pour venir penser ce sentiment de trahison. Vous avez été trahi, les scorpions. Là, il y a quelque chose. Vous avez été trahi. Et cette nouvelle histoire d'amour qui s'offre à vous au mois de décembre est vraiment la bienvenue parce qu'elle vient réparer beaucoup de choses chez vous. Le temps ici vous a servi parce que ça vous a servi à voir une situation évoluer. Là, chez les scorpions, on a, bien malgré soi, joué avec le temps. On a joué avec le temps, mais finalement, on commençait à être impatient ici, hein, chez les scorpions, mais là, on a de l'évolution. Il y a quelque chose qui s'offre là, qui débloque. Il y a un truc qui bouge. Bon, en même temps, il y a une nouvelle relation qui voit le jour. Donc là, le temps a joué pour vous. Hein. Une fois encore, le temps joue pour vous. Mais les scorpions, vous avez toujours de la chance avec le temps, vous. Derrière cette évolution, le temps qui a joué pour vous, qui vous amène à une évolution certaine, hein, ici, il y a un verdict. Donc le verdict ici, c'est une décision. C'est une décision qui est forcément en votre faveur, puisqu'ici, on a un soleil. Cette carte, c'est ce qu'elle annonce à chaque fois. Il y a un soleil, et là, on a une balance. Le plateau de la balance est droit. Vous voyez, elle ne bouge pas, hein. Elle est vraiment droite. Donc ça, c'est l'équilibre. Ici, il y a où vous prenez une décision. Et dans ces cas-là, elle vous est très favorable. Ou alors, il y a un verdict, peut-être que vous attendez un verdict. Mais en tout cas, ici, c'est en votre faveur. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love ce que ça nous dit. Parce que ici, il y a peut-être des gens qui sont en plein divorce. Et ça me fait penser à ça, hein, des gens qui seraient en plein divorce et qui... À la fin de ce divorce, tombe amoureux et il y a une relation qui commence à voir le jour et qui vient penser cette trahison. Et le temps a joué pour vous puisque tout a évolué. Et là, il y a un verdict qui est rendu. On peut parler ici d'un couple enfin, une personne, un scorpion ou une scorpionne qui serait en fin de procédure de divorce. Et là, tout lui sourit, évidemment. On pourrait même parler d'un célibataire ou d'une célibataire. Dans le même cas, c'est pareil. En tout cas, l'améthyste love nous parle ici maintenant d'une relation secrète, discrète pour les scorpions. Il y aurait une double vie ici chez vous. En tout cas, ce sont des relations cachées. Des relations physiques ou pensées, hein, ça peut être les deux, hein. En tout cas, c'est le début d'une relation discrète. Et là, on parle donc d'autre chose. On n'est plus dans la même optique que que le premier tirage. Hein. Ça concernerait certainement des triangulaires. Ça, si vous êtes en triangulaire, les scorpions, à mon avis, ce tirage, il est là pour vous. Hein. Ici, on est sur des amours éphémères. Sachez que cette liaison secrète, hein, cette double vie, elle n'est qu'éphémère. Y a pas de, elle est peut-être intense, hein, vous êtes peut-être amoureux, hein, mais ça, d'après ce jeu, ça nous dit que ça sera de courte durée. Hein. Alors, on va aller voir. Ici, on nous reparle du temps. Ici, vous êtes dans l'attente, les scorpions. Ça commence à vous saouler cette histoire. Là, le scorpion, il est patient, mais il faut que ça aille vite. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, chez vous, les scorpions, là, vous commencez à trouver le temps long dans cette triangulaire. Et c'est pour ça qu'on nous sort la carte de l'éphémère. Hein. Vous avez envie que l'autre prenne des décisions et passe à l'action, mais ça n'a pas l'air de venir. Hein. Donc là, vous commencez à être impatient. Derrière, on a la carte du succès, de la bénédiction. Donc là, il y a un événement, vous voyez, sur le temps. Finalement, encore une fois, les scorpions, le temps joue pour vous.
Là, il y a une histoire de bénédiction. Ici, on a la consultante. Donc, l'évolution viendrait de la femme. Donc, si vous êtes un homme, donc l'évolution vient de la femme. S'il y a quelqu'un qui doit passer à l'action, c'est la femme. Si vous êtes une femme, dans ces cas-là, on parle de vous. Si vous êtes homosexuel, adaptez selon de la situation de chacun. Mais en tout cas, ici, c'est la femme qui évolue dans ce tirage. Alors, on va aller voir. Ici, on nous parle d'un choix, d'une issue sur le verdict. On est vraiment. Eh, c'est hallucinant quand même. Hein. On parle de la même chose. On a un verdict et ici, on a un choix. On a un choix, une issue. Là, on vous demande de prendre une décision, les scorpions. Là, vraiment, la décision vous appartient. Vous êtes dans l'attente. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et là, il est temps de prendre une décision. Mais quand ça parle d'une décision comme ça, dans le choix et l'issue, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se présente à vous. Sinon, vous... Parce que là, on parle de prendre une décision avec âme et conscience. Hein. Ici, dans cette carte, c'est comme ça qu'on l'entend. Le dos de deck nous parle du passé. Donc ici, on pourrait voir chez les scorpions des relations du passé qui refont surface ici. On a la carte de la chance. J'ai une réponse. On a l'union. J'ai encore une réponse. Donc là, je vais vous demander de vous poser deux questions. Donc ici, on a quelqu'un du passé qui ressurgit. C'est peut-être pour ça, hein, que vous prenez une décision ici. Il y a quelqu'un du passé qui ressurgit chez vous, les scorpions. En tout cas, vous avez beaucoup de chance ici, dans ce retour du passé. Posez-vous une question parce que là, j'ai une réponse. Une question simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non. La réponse est oui. Derrière, on a les anneaux. Donc ici, on a une union, on a un mariage, on a un pacs, on a un projet de vie commune. On n'est pas obligé de se marier, mais ni de se pacser. Mais ici, il y a vraiment l'envie de partager une vie, là, de vivre ensemble. Hein, on est vraiment là-dedans. Et la deuxième question à laquelle vous pouvez facilement avoir la réponse, évidemment, si j'ai sorti un oui, la deuxième est un non. Donc là... Là, les scorpions, il y a quand même des rebondissements pendant le mois de décembre chez vous, avec ce passé qui ressurgit. Hein. Mais ça, cette relation ici qui est teintée de l'éphémère, c'est vraiment un amour passager. Hein. Cette relation discrète et passagère. Donc, et vous êtes commencé à être dans l'attente. Donc ça va pas vous plaire. Et finalement, il y a une bénédiction, il y a un succès là qui est vu par l'intermédiaire donc de cette consultante, puisque c'est elle qui prend la décision. En tout cas, elle passe à l'action. Elle passe à l'action. Elle évolue et la décision ici vous amène à faire un choix, mais un choix en votre âme et conscience. Donc là, les Scorpions. C'est plutôt pas mal comme tirage finalement pour ceux avec qui ça parle parce que vous retournez une situation qui était peut-être pas forcément à votre avantage hein. En tout cas ici c'est vraiment ce qui est vu hein. Alors ici on nous parle d'un deuil, on nous parle d'un deuil, on nous parle de papillon. Ça tombe sur la naissance. Hein. Là, moi, j'ai plutôt envie de parler. Ouais. Il y a une renaissance. Ou alors, il y a un deuil. Ou alors. C'est peut-être un amour lointain, ça.
Ça, c'est un amour lointain qu'on a attendu pendant longtemps et on finit par en faire le deuil parce que ici, on se dit que ben, ça ne sert à rien d'attendre hein, et que ça n'amènera nulle part. C'est cet amour lointain, là, vous commencez à... Là, vous décidez de faire un deuil, hein, de faire une croix sur cet amour. Ici, on nous parle de papillons, donc ici... On a des papillons dans le ventre. Hein. Cette carte-là nous parlerait bien d'un coup de foudre. Hein. En tout cas, il y a un début de relation. Mais là, c'est parce que vous faites le deuil. Derrière, on a la tendresse, la carte de la tendresse. Donc là, il est possible ici que chez les célibataires, moi je pense qu'ici on s'adresse aux célibataires, vous faites le deuil d'une ancienne relation là, qui est bien trop lointaine. Vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un à distance, hein, et ça ne vous satisfait plus. Du coup, vous faites le deuil, vous terminez. Ici, vous rencontrez quelqu'un avec qui, ben, dans votre ventre, ici, on a des petits papillons, donc ça fait penser à un coup de foudre, et ça vous amène beaucoup de tendresse, hein. Ici, il y a un partenaire très tendre qui arrive dans votre vie, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on a la carte de l'invitation. Donc là, vous allez vous laisser... Invité, vous allez vous laisser séduire les scorpions pendant le mois de décembre. Alors, ça peut être des invitations pour les fêtes de fin d'année, mais en tout cas, là, vous vous laissez séduire. Ici, on est sur une relation qui progresse. C'est la carte de la progression. Donc, ici, non seulement ici, on a des papillons et on tomberait bien amoureux, on a de la tendresse, on a des invitations. Et ici, on est sur la progression. L'amour grandit de jour en jour chez vous, les scorpions. Pour les célibataires là, qui mettent un terme à une relation qui ne menait nulle part, ici, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a la carte du féminin. Donc là, la carte du féminin, ici, alors on peut parler de vous si vous êtes une femme scorpion. Ou de l'aspect féminin en chacun de nous. Donc, vous êtes un homme aussi avec ce féminin très prononcé chez vous. En tout cas, ici, ça nous dit que vous écoutez vos ressentis. On va aller en chercher une pour voir ce que ça nous dit avec la carte du féminin. Oh! Ici, on a un grand oui. Donc là, les scorpions, vous avez raison. Vous avez raison d'écouter ce côté féminin en vous. Vous avez raison parce que ce ressenti, vous le connaissez bien. Et là, c'est un grand oui. Donc là, il y a vraiment une histoire d'amour qui voit le jour chez vous au mois de décembre. Là, les fêtes de fin d'année, ça va rigoler. Et ici, on va être amoureux, on va être content, hein. Là, les scorpions, pour moi, là, ça rigole bien en fin d'année. Ici, le dos de deck nous parle de repos. Donc, ici, on se repose. Ben oui, on se repose. Parce qu'après autant d'émotions et de lassitude chez vous, les scorpions, ici, on passe au repos et on se repose à deux. Ici, on se repose en amoureux. C'est une... Vraiment, là, c'est une opportunité. Là, profitez-en. Profitez-en, les scorpions. Parce qu'ici, il y a vraiment une belle opportunité. On a la carte de l'amitié qui sort derrière. On a la carte de la lumière qui arrive derrière. Et on a la tour. La tour, ici, qui nous parle d'un bouleversement, d'un retournement de situation. Hein. Ici, chez beaucoup de scorpions, là, on a des situations qui se retournent. Et c'est plutôt pas mal, hein. On a la carte du repos, suivie de la carte de l'amitié. Donc, on peut ici tomber amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie. C'est pas interdit. Ça peut se produire comme ça. En tout cas, ici, on fait la lumière sur un amour, sur une relation. On fait la lumière sur une relation. Finalement, on se rend compte que notre part féminine ne s'était pas trompée, notre ressenti ne nous avait pas menti et vous faites la lumière. Vous dites, ben oui, c'était bien la personne, l'élu de mon cœur.
Et ici, on a la tour. Donc la tour, elle vient nous prévenir qu'ici, ça va nous produire un retournement de situation. Il y a quelque chose là qui va s'effondrer. À mon avis, c'est ça, hein, c'est cette histoire de deuil là, cet amour lointain. Là, c'est terminé, ça se retourne. Et là, du coup, la tour fait le travail, hein, elle fait en sorte que la situation se retourne. En tout cas, voilà pour vous les scorpions, c'est quand même pas mal. Ce tirage est vraiment pas mal fait. Moi, je suis contente de l'avoir eu comme ça pour vous. Moi, j'attends de vous lire, j'attends d'avoir vos commentaires, vos ressentis. Et puis, je vous dis à très bientôt, courant le mois de décembre. Et je vous souhaite un excellent mois et j'attends de vos nouvelles. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.